vu quelque chose là-bas? Une tour? Je ne vois aucune tour. T'as une hallucination. Je ne reviens pas qu'Odin et Freya aient été mariés. L'amour et la haine sont entremêlés bien plus que tu n'imagines. Vois-tu, Odin déteste les géants et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjörgyn, l'un des grands amours d'Odin. Donc Thor est mi-dieu, mi-géant? Wow! Une fois Fjörgyn parti, Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les Vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ses bravades. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. Ou je peux... Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique. Frère, le burin. Dans le tombeau de Tyr. Encore un de ces trucs. C'est Tyr. Mais il manque le panneau central. Une minute. Je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai. Mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour, pour une fois. Atreus. Allez! Tu le parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux. Des animaux. Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé. Non, c'est pas ça. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Comme une odeur de... de pluie. Tu as tout gâché. J'ai mérité ce maudit marteau. Mais maintenant... tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Non ! Oh, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. C'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oups. J'y suis allé un peu fort. C'est pas fini! Mon frère, le garçon. Atreus! Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance.
Prends le bateau. Freya n'est pas loin. T'as à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. La forêt de Freya lui est inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des maux physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais... un dieu qui se croit mortel, ça ne me surprendrait guère. Nous y sommes presque. D'appeler le serpent. C'est vrai. Et il tremble. C'est grave. Nous devons faire vite. Freya! Ouvre cette porte! On a besoin de toi! Bon sang, est-ce que tu m'entends? C'est très urgent! Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en. Mon garçon est malade. Freya! Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Tout est ma faute. Tu vas m'aider. Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Helheim. Le gardien qui protège le pont des damnés. C'est son cœur qu'il me faut. Helheim. Le royaume des morts, tu le connais? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les 9 royaumes ne peut y produire une étincelle. Quant aux morts, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. Déterrer un passé dont j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant. Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Cette rune ouvre le pont vers Helheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris? Atreus. Heimle, tu dois te dépêcher.
Dans mon jardin, un chemin te mènera à ma barque. Prends-la, retourne chez toi. Déterre ton passé. Fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Et ton fils vivra peut-être. Pars. Freya. Lors de ma dernière visite, Non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Il fallait que ce soit Elheim. Tout va bien, frère ? J'ai une tâche à accomplir. Ne m'interromps pas. Comme tu... Athéna. Sors de mon esprit.
côté gauche, frère. Attention à gauche. Attention, derrière toi. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité, ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas, un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Ces lames sont capables. Attaque à gauche.
Plein milieu du jardin. Pratique. Prends ce raccourci et de là, rends-toi à Elheim. Je suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. Tu n'as pas quelque chose à me confier? Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna, impossible de se tromper. Magie d'un autre monde! Par les saints de Nana, qu'avons-nous là? J'ai jamais rien vu de tel. Un héritage familial, forcément! Non. Et ça ne sera jamais. Écoute, mon frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames, elles ne sont pas banales. Et où est ton morveux? Il est tombé malade. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les As? Non. Tout est ma faute. Et c'est à moi de réparer cette erreur. On doit tous prendre nos responsabilités, parfois. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Je peux me rendre utile? Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu as déjà assez à faire. Par ici. D'accord. Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? Au royaume des morts. Elheim? Merde, c'est du sérieux! T'en fais, je vais garder un œil sur toi.
Maintenant que Freya t'a donné la rune de passage vers Helheim, le royaume devrait être accessible depuis la table. Un œil sur toi. Je profite de l'occasion pour te dire que ce que nous allons faire est pure folie. Même Odin ne peut survivre à ce froid, alors tes lames ont intérêt à fonctionner. Est-ce que c'est le pont dont Freya parlait? Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, la cité de Helheim. Le gardien qui nous garde à l'entrée, c'est lui que tu cherches. Suis ce pont et tu tomberas nu à nu. C'est... serait vrai, mais nous allons voir cet endroit. Utilise le feu de tes lames pour brûler ces ronces qui nous barrent le chemin. Là, tu as encore une bonne raison d'être allé chercher ces lames. Les morts récents devraient être ici. Il y en a beaucoup trop. La porte est fermée. Et si la porte est fermée, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Elle est pleine. Sans la Valkyrie pour faire le tri, la cité déborde. Maintenant.
Les pillards que nous avons tués près de ma maison, ils sont venus ici. Comment ont-ils pu revenir aussi vite? Le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un royaume à l'autre, surtout pour les esprits. Comme la lumière d'Alfheim. C'est le contraire. Le temps passe plus vite sur le lac des âmes qu'à Alfheim. Mais il passe beaucoup plus lentement à Helheim qu'à Midgard. Ça ne doit pas être évident à saisir. Si ça nous permet de retrouver mon fils plus rapidement, ça me va. Ah, tu comprends vite à ce que je vois. Est-ce qu'il fait partie d'Helheim? Ah, non. Le Valhalla fait partie d'Asgard. Il faut être mort dignement pour y aller, comme les guerriers qui tombent au combat. Helheim accueille ceux qui meurent dans le déshonneur. Les criminels? Oui, et ceux qui meurent de maladie, d'accident, de vieillesse. Donc un déshonneur de vieillir? Eh bien, il n'est jamais trop tard pour mourir au combat, je suppose. Tuant le gardien du pont, est-ce que je débarrasserai Midgard des morts? Je ne pense pas, non. Mais ça ne devrait pas aggraver les choses non plus. Ce sera un obstacle de moins à franchir pour les vivants qui souhaiteraient rejoindre le cercle intérieur d'Helheim. Mais qui serait assez fou pour s'y rendre? Le pont des damnés. Et voilà le gardien. Il s'assure que les morts sont bien morts. Que tient-il? Ce totem contient une puissante source d'énergie magique. Le pouvoir même des Helheim. Mais toi, c'est son cœur que tu veux. Prends-le et nous pourrons partir. Comment? Attire son attention, ça ne devrait pas être trop dur.
Prends son cœur, maintenant. Tu vas devoir te salir les mains. J'ai le cœur. C'est tout ce qu'il fallait. Oui, parfait. Mieux vaut ne pas traîner ici, de toute façon, hein? Kratos. Zeus. Zeus? Mon père. Zeus est ton père? Ça explique bien des choses. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? N'y va jamais. C'est compris? Que fait-il ici? C'est impossible. Ce n'est qu'une illusion. Elle est réputée pour torturer ses habitants avec leur propre passé. Trouve-vous plutôt un moyen de rejoindre ton fils. Il faut une rafale de vent de Hel pour ouvrir cette serrure.